Comment vous allez? Moi ça va très bien, je viens de changer un pseudo sur Discord et je suis très fière de ma connerie. Donc voilà. Comment vous allez? Parce que oui, c'est une prérogative, n'est-ce pas? En tant que créatrice du serveur, je peux modifier les pseudos des gens. Et j'adore faire ça. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait, bah là je me suis fait un petit medley tout à l'heure. Je viens de renommer Hopi Tami. Je lui ai mis. Attends, je lui ai mis quoi? Hopi aime le pognon mais en a pas. Voilà. C'est un délire parce que Hopi il aime tout le temps le pognon, il dit tout le temps qu'il veut du pognon, mais. Voilà. Du coup. Et j'en ai renommé pas mal tout à l'heure. Enfin voilà, on a rigolé, on a rigolé. Oh, on rigole, on rigole. C'est la justesse de ce monde, hein. Comment vous allez? Je suis éclatée de fatigue. Oh my god, entre le sport ce matin, après la cavalcade au ciné et tout. Oh, je suis crevée. Ah bah je retomberai peut-être dessus, Doro, t'inquiète pas, va. Tes cheveux ont bien poussé, tu crois? Je me rends pas compte. Comment était cette séance ciné? Bah ma foi, c'était très bien. C'est. Vous voyez le film 8 femmes? 8 femmes, on l'avait vu ensemble sur Twitch l'année dernière. Bah c'est un peu le même esprit. Tu arrives toujours au bon moment. Question de timing. On se fait un petit unboxing avant de regarder un peu Livre Addict. Parce que j'ai reçu des lettres. Et il faut que je vous montre ce que Tam Tam m'a envoyé hier. Alors je l'ai montré sur Insta. Ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez déjà vu. Mais si eux qui suivent pas sur Insta, puis techniquement ça compte en unboxing, puisque par contre ça pèse sa daronne. Regarde ce que Tam Tam m'a envoyé. Oh! Bon, du coup, c'est déjà unboxé, hein, mais je suis tellement contente. Oh, puis j'ai envie de refaire des posts Insta aussi sur les films et les séries et les livres. Faut que je leur fasse. J'ai envie de faire plein de trucs en ce moment. My God, c'est horrible. J'ai envie d'écrire aussi, de me remettre à écrire et de faire des streams écriture le matin. Mais je sais que c'est pas le bon moment pour faire ça parce que je déménage dans 2 semaines et que après ça va être compliqué, etc. Mais on va se faire ça un moment, peut-être à l'automne, genre un mois entier où tous les matins on se retrouve et on écrit. Tu vois? Bref, c'est pas du tout la question. Du coup, Tam Tam, elle a été trop mignonne. Elle m'a envoyé ça parce que. Merci, Emily Diane. Hello, 13 mois de fidélité, des rigolades et de bons moments, c'est beau. Hi-hi. Je suis très reconnaissante de faire partie de cette commune en or. Mais t'es trop mignonne, merci beaucoup. Et du coup, elle me l'a envoyé. Pourquoi? Parce que j'avais dit en stream, déjà, parce que je l'ai en fait, parce que Amandine, une amie, qui est la copine de Clochou, me l'a offert. Enfin, me l'a prêté, pardon. Et du coup, il fallait que je lui rende, sauf qu'en fait, Thomas l'a oublié, donc je l'ai encore. Et du coup, j'avais dit en stream, je pourrais pas vivre sans ce livre dans ma bibliothèque. Du coup, Tam Tam, pour pas que je vive sans au cas où, elle me l'a envoyé. Et en plus, elle m'a envoyé le tome 2. Du coup, j'ai les tomes 1 et 2, et j'ai pas encore lu le 2. Hii Hii On dirait une porte qui grince. Je suis trop contente. Par contre, ça pèse la vie. Et mais c'est trop bien. Et j'ai eu un petit mot avec, regardez. Attends, je vous montre la cartounette. Regarde la cartounette. Et il y a marqué Coucou Tip Tip, parce que je l'appelle Tam Tam, elle m'appelle Tip Tip. J'espère que ce petit colis te fera plaisir. Prends bien soin de toi, Tami. Oui, Tam Tam, ça m'avait très très plaisir. Merci, Kiwiz. Oui, 3 mois et 2 mois consécutifs, je suis si heureuse. Je fais faire ma liste culturelle que je donnerai au libraire en espérant qu'il me prenne en alternance pour mon BP. BP, c'est quoi? Libraire l'année prochaine. BP, BEP peut-être? Merci beaucoup, en tout cas, Kiwiz, pour ton reprime. Resub, Paris Prime, Resub. Merci beaucoup! Oh, bravo Magic Feuille, félicitations! Du coup, voilà, ça c'est arrivé hier de la part de Tam Tam. Ou qu'est-ce que je les aime? Je les aime beaucoup! Et. Oh putain, c'est quand même très très lourd cette histoire, hein! Hop, attends, je voulais vous parler d'un autre truc. Ça c'est parce que j'ai trop de trucs à vous dire en fait. Ma vie est pleine de choses. Du coup, j'ai reçu ça la semaine dernière. Mais je voulais pas montrer. Parce qu'il y avait marqué Choup artiste. Donc du coup, le problème, c'est que comme ça a l'air tout petit, je me dis, c'est pareil, si je le mets de côté pendant 10 siècles, on va jamais le regarder. On va pas se mytho. Et je pense que vous allez vous rappeler, c'est quelqu'un qui était déjà passé l'atelier d'Andromaque. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Regarde, est-ce que ça te dit un truc? Est-ce que ça vous dit quelque chose des cartes et des petites créations en rapport avec la mythologie? Oui, c'est mignon, Tip-Tib. Hein. Et bah, en fait, elle m'a renvoyé. Attends, je vous lis la lettre, parce que j'ai une petite lettre. Bonjour, Thibou. C'est à nouveau moi, l'atelier d'Andromaque que tu avais déjà découvert il y a un an. J'ai bien évolué depuis, enfin, j'espère. Donc, je suis contente de pouvoir à nouveau te proposer quelques créations.
Actuellement, je me spécialise dans les illustrations de divinités grecques, égyptiennes et nordiques. Il y a tant à faire que je n'ai pas encore commencé les nordiques, mais c'est pour bientôt. Ici, je t'envoie mon couple fétiche grec, Hadès et Perséphone. Tu verras que j'essaie de faire matcher les illus des binômes. Et Isis. Je continue de faire des bijoux en parallèle de temps en temps, un peu d'argile, etc. Autre nouveauté, depuis l'année dernière, je suis maintenant sur Twitch. J'y parle entrepreneuriat et surtout mythologie. J'y peins, j'y écris, je joue à des jeux sur la mythologie, etc. Et aussi, j'ai écrit un livre. Ah oui, non, mais cette année a été incroyable. Sur la mythologie, bien sûr. Il sortira en mai aux éditions Kiwi. C'est ma petite fierté. Comme tu peux le voir, je ne chôme pas et je te remercie grandement du temps que tu auras offert à ma petite entreprise. N'hésite pas à me contacter sur Insta si jamais. Bonne journée ou soirée. Marion, alias Andromaque. Et alors, vous n'êtes pas prêts pour la beauté des illus. Vraiment. Alors là, on a une petite carte avec. Je crois que c'est une carte qu'elle met quand vous lui commandez quelque chose. La majesté des dieux ne leur permet point de protéger ouvertement les mortels. Merci pour votre commande. Et là, du coup, vous avez le détail, en gros, de comment fonctionne son entreprise. Ah, mais grave, Skyly, grave. Donc voilà, que c'est fait en France, que c'est avec de matières recyclables, etc. Et alors, est-ce que vous voulez voir les élus? Parce que je les ai vus. J'avoue, j'ai déjà ouvert la lettre. Je les ai vus. Vous n'êtes pas prêts. Je sais pas si vous vous souvenez de l'atelier d'Andromaque il y a un an, du coup, c'était déjà stylé ce qu'elle faisait, vraiment. Vraiment, je dis pas ça pour être poli, tu vois. C'était vraiment stylé, mais... Vous êtes pas prêts. Oui? Vous êtes sûrs? Genre, vous êtes prêts à combien? On va aller faire une vague d'amour après sur son Insta. Genre, sur 20, vous êtes prêts à combien? Parce que vous êtes pas prêts. En pourcentage, ça marche aussi. Ah oui, ah ouais, vous avez l'air très prêt. Alors je vous montre, je vais d'abord montrer Isis. Parce que c'est le duo après que je préfère. Perséphone Hadès, j'avoue que ça devient un peu mes croustilles fondants aussi hein, maintenant. Donc voilà Isis, donc figure de la maternité et de la féminité, qui est très très belle. Et est-ce que vous êtes prêts pour le duo de la muerte? C'est le cas de le dire. Même pas fait exprès. Attention, Hadès. Non, pardon. Hadès. Salut Pastelia. Et pour moi la plus belle, au niveau des couleurs, de la lumière et tout, je la trouve incroyable. Perséphone. Non mais regardez-moi cette beauté. Et alors les deux côte à côte. Est-ce que ce n'est pas insane? Et du coup, hop. Bon, Isis, du coup, elle fait un peu intruse. Hein. Forcément, c'est plus la vie, la mort. Mais voilà, trop stylé. Du coup, on va aller voir son Insta immédiatement. Enfin, revoir plutôt, parce qu'il y a un an. On a eu le temps d'oublier les choses. Hein, non, non. Et après, il me restera un courrier. Après, il me restera un courrier. On ira sur Libre Addict après. Hein. Pas de panique, pas de panique. That's the plane. Instagram. J'ai toujours peur de ce qui va arriver. Oui, bon, ça va, ça va. C'est celle que j'avais... Oh non, ça va, ça va. Non, parce que comme je suis des drag queens sur Insta, j'ai des photos, des fois, c'est des photos de cul. Enfin, genre, on voit des culs, je veux dire, littéralement, tu vois. Je suis pas sûre que sur Twitch, ça passe de ouf, tu vois, mais... Du coup, Andromaque. Atelier.andromaque. Atelier.andromaque. Je vais vous passer le lien dans le chat. Oui, on y est. Je vous passe le lien. Attends, je vais vous mettre sur le côté d'ailleurs, c'est pas très pratique que vous soyez là. Bah enfin, on pense pas aux choses. Mon Didi, comment va mon Didi? Hop là, allez envoyer de l'amour. Allez, allez, allez. Ah bah c'est embêtant en retour, bah faut que tu bosses après alors. Et du coup, on peut voir un peu tout ce qu'elle fait. Oh mais du coup, il y a aussi son gars. Ah mais eux. C'est vraiment stylé, hein. Oh, yeah. Merci Eden pour ton reprime. Je ne fais que passer mes bisous choup choup et bonne journée à toi Thibou. Merci beaucoup. On envoie de l'amour les enfants comme vous savez faire hein. T'as grave glow up. Est-ce que je vais... Attends, c'est quoi, je vais essayer de scroller. Bon, faut que je scrolle longtemps à mon avis pour revenir à ce qu'elle faisait l'année dernière parce qu'elle a l'air d'être très 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 prolixe en plus au niveau des posts. Mais ouais, ça va être galère. Ça je me rappelle je crois.
Ah, les runes, sympa. Peut-être que je m'en prenne des runes à un moment, quand même. On est où, là? Attends, juste me situe. 4 décembre 2020. Ah, ça doit être ça! Je me rappelle où il y faisait des cuicuis. Ah, c'est stylé, hein. Mais non, fais pas le joug des filles, c'est que j'ai reçu un courrier, Alice! J'ai reçu un courrier! Ah, si, hop! Ça va, mon Didi, ça va. Envoyez de l'amour, hein, mettez des likes. Like, commentaire à foison. Parce que, en fait, j'ouvre mes courriers au début de stream. J'aime bien. Et du coup, attends, je vais remontrer à Alice. Regarde, par exemple, Alice. C'est Perséphone et Hadès. C'est trop beau, hein? J'ai eu Isis aussi. Ici, je le verrais bien dans la chambre si t'as un bébé. Bon, après, techniquement, c'est toi qui as un bébé, c'est pas le bébé qui est bébé, mais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas le bébé qui est un bébé, mais. Ah, Yoti! Bravo! Du coup, attends, c'est pas fini parce que du coup, j'ai reçu un courrier aujourd'hui. Parce que celui-là, il date de la semaine dernière. Et j'ai eu un courrier. Et je vais pas vous mytho, je sais ce qu'il y a dedans. Parce que la personne, elle m'a prévenu. Il faut que je l'ajoute sur Livre Addict, d'ailleurs. Faites-moi penser juste après là. Et du coup, c'est trop mignon parce qu'il y a marqué deux garçons, une rencontre, un coup de foudre amical ou amoureux. Et c'est en format roman graphique. Et c'est trop bizarre parce qu'à le voir comme ça, t'as l'impression que c'est un roman normal, classique. Et en fait, non, pas du tout. C'est un roman graphique. Tu vois. Damn. Elle t'a spoil. Oui, elle m'a spoil. Mais il y a d'autres trucs par contre dans le. Oh, des Skittles! Un marque-page. Oh! Alors, ça, ou c'est des pétards, ou c'est du saucisson! Qu'est-ce que c'est que ça? On tient, on dirait les saucissons. Tu vois ou pas les saucissons rosettes là? Et tu les couilles, tu sais? Ils ont une peau rouge et tu l'enlèves. Parce qu'il faut pas la manger pour le coup, c'est de la cire, un peu comme des Babybel. Ouais, du cervelas, je crois. Il y a une laitrouille. Voyons, 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 voyons. Du bon saucisson. Merci pour le follow, Inoshai. Du coup, j'ai trop hâte. Alors, attends, attends. Faut. Non, attends, attends. Rappelez-moi de vous parler de ma pile à lire dès que j'ai fini l'unboxing. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Donc, elle m'a mis des skits. Faut que j'arrête de faire ça. Genre, j'ai la maladie, j'ai la malédiction de Bimove. C'est de mettre les débuts des mots. Des skits. J'en mange pas. Mais je la mettrai en vente Vinted. Elle t'a offert du cervelas miniature. Bah, je sais pas. Ça fait penser quand même, non? Ça m'étonnerait que ce soit du saucisson. Mais ça fait vraiment penser au saucisson. Tu vois ou pas? Allume-le s'il fume, c'est des pétards. Ouais, t'es gentil, hein? Il y a quand même moins con comme mort. Il y a. Oh, il est trop mignon! C'est un marque-page avec un hérisson. Regarde. Non, mais je crois pas que ce soit du cervelas, le nom du saucisson. Attends, je vais l'ouvrir. Ah, c'est écrit en anglais. Hedgehog. Et il y a marqué Awakening. Ça, je sais ce que ça veut dire, c'est le réveil. Il se réveille. C'est le réveil psychologique. The Hedgehog. Alors, je vais essayer de traduire directement, d'accord? C'est-à-dire le saucisson. Le hérisson est sans aucun doute un des personnages les plus populaires des Anglais. Même en apparaissant. Attends. Il est apparu dans l'œuvre de Shakespeare, La Tempête et Le rêve d'une nuit d'été. Il y a des références au hérisson ou urchin, je sais pas ce que c'est. Un adulte average, ça veut dire quoi, average? Average? An average adulte? Ah, un exemplaire adulte de hérisson, il est couvert d'entre 5 000 et 7 000 épines, le protégeant des prédateurs.
Ils sont donc adaptés à l'environnement urbain. Urban, c'est urbain, ville, de ville, peut-être? Songe d'unité, peut-être, peut-être. Et font eux-mêmes leur foyer dans nos jardins et nous rendent souvent visite dans les jardins pendant leur voyage nocturne. Eh, bon, vous pouvez pas vérifier que c'est bien vrai, mais je vous jure, regarde, regarde, je vous montre. En vrai, je m'en suis bien sortie, j'ai fait une version en anglais. Regarde, c'est pas mal. Avril, c'est moyen. Eh, j'ai compris le sens. Quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... C'est déjà pas mal. C'est déjà... La loupe. Si vous bilez. En tout cas, le marque-page est overcute. Et du coup, j'ai une lettre. Peut-être que je vais... Elle va me dire ce que c'est que les saucissons. Oh, c'est encore en anglais. Oh, je pardonne l'anglais. Oh, non, mais je vous ai déjà dit que j'aimais les renards ou pas? Voilà. C'est... Mais alors, il y a... Pépifield. Discard. Alors, cette carte a été inspirée par le personnage unique que nous voyons dans le beau paysage anglais. Nous sommes fiers de dire que ça a été désigné et imprimé en Angleterre. Oui, bon, en gros, ils sont fiers, quoi. Voyons voir. Oh! Oh là là! Il y a un gros petit mot. Un gros petit mot. Coucou Thibaut et coucou les choup-choup, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Émilie, Émilie Flock sur Twitch. J'ai 26 ans. Est-ce que tu es là, Émilie? Je ne crois pas. J'ai pas vu ton pseudo. Et je suis cuisinière. Je t'envoie. Ça se trouve, c'est vraiment du saucisson! Je t'envoie une lettre pour la troisième fois, si je ne me trompe pas. Je t'ai envoyé mes deux premières pendant le confinement. Depuis, pas mal de choses ont changé pour moi. Pour commencer, le restaurant où je travaillais n'a pas pu réouvrir après le confinement. J'ai alors dû quitter ce restaurant avec regret. Donc au revoir Annecy et bonjour le Salève, une montagne en Haute-Savoie. J'ai donc commencé à travailler à l'observatoire avec une équipe géniale, même si le patron a tendance à beaucoup râler, mais on se serre les coudes. S'imagine le patron, il regarde ça. Elle lui en voulait pas, et ici on est honnête, hein. Cela va donc pratiquement faire un an que je travaille là-bas, puis depuis quelques semaines, beaucoup de personnel de cuisine a commencé à partir. Sur 8 personnes, 4 sont parties, ce qui m'a donc propulsée au rang de chef de cuisine. Wouh! Cela me donne beaucoup de stress, oui, car ça a été fait dans la précipitation. Puis mon grand-père nous a quittés il y a à peu près 2 semaines, ce qui a été une dure épreuve. Donc, peur, pense à autre chose. Donc, pour penser à autre chose, je regarde tes streams et tes vidéos. Tu as commencé à relire et à partager cela avec nous. Cela m'a donc moi aussi redonné envie de relire, car étant dyslexique, la lecture est compliquée pour moi. Je me suis donc replongée dans une de mes lectures chouchou et j'ai voulu la partager avec toi et les choup-choup, ce livre qui est Heartstopper. Je t'ai donc envoyé le premier tome, et s'il te plaît, je t'enverrai les autres tomes. Je pourrais les acheter quand même, hein. Je te souhaite donc une bonne lecture pleine de douceur. PS, je ne serai sûrement pas là pendant l'ouverture de mon courrier, car je serai sûrement au travail, mais je serai de la team Rediff si c'est le cas. Et team Rediff, on la kiffe! PS2, merci à toi d'être là pour nous les choup-choup, pour nous faire rire, réfléchir et nous faire grandir avec toi. Les petites saucisses rouges sont pour les chats, apparemment ils adorent ça, mais pas le mien. Ah mais c'est vraiment, c'est pas... Donc ça se bouffe? Mais c'est... Donc c'est de la boue! Merci Massila pour ton reprime! Oui, moi aussi je me rappelle de son ancien resto. J'ai pas eu 36 meufs qui bossaient à Annecy. Mais regardez cette carte! Trop mignon! C'est des saucisses pour chat. Non, je vais pas goûter! Par contre, c'est juste ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a un peu de métal là-haut. Faut l'enlever du coup, je suppose. Parce que moi, mes chats, ils vont l'engloutir, hein. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment comme le saucisson, hein. J'aurais adoré que tu goûtes avant de savoir. Oui, alors l'expérience m'a appris, Doro, à ne pas manger quelque chose si je ne sais pas ce que c'est. Hein? Voilà. Mais ça faisait vraiment penser au saucisson. Hop. Je vais mettre ça là. Hop. Okay. Non, mais je vous le remonte parce que vraiment, vraiment. Peut-être aussi le filet rouge. Ça, c'est de l'expérience. L'âge, quoi, la maturité. En tout cas, je suis trop gâtée. Et du coup, j'ai Heartstopper à ajouter à ma pile à lire. Hop, donc ça, c'est par terre. Ça, c'est pas par terre. Voyons, voyons. Eh bien, nous passons maintenant à notre travail. Hein, qu'on a aujourd'hui. Ben, toute expérience est bonne à prendre. Hein. Alors, voyons voir. Heartstopper, du coup, je peux l'ajouter à ma wish, à ma liste. Non, à ma liste tout court.
Parle-nous de Pâle. Oui. Alors, par contre, je ne sais pas quelle édition j'ai. Attends, je regarde. Hachette roman. Ouais, ça doit être ça. 272 pages. Ouais, c'est ça. C'est celui-là. J'ai bien le dernier. Bim, pile à lire! Par contre, ouais, il y en a quatre, quoi. Je t'en dirai des nouvelles, t'inquiète, Didi. T'inquiète. Mais ça se lit extrêmement vite, hein, par contre. Regardez les bulles, c'est vraiment genre. Enfin, moi, je vais le démonter assez rapido, ça, à mon avis. Hein. Du coup, nouvelle pile à lire. Je t'envoie plein de force, Edo. Trop bien, Materazu. Alors, t'en as pensé quoi? Du coup, oui, pile à lire, pile à lire. Alors, en fait, nous sommes le 15 mars. Et en fait, j'ai quasiment terminé ma pile à lire de mars. À savoir, il me reste les tomes 2 et 3 des carnets de l'apothicaire. Il me reste Le Magicien d'Oz. Le tome 3 de Blue, donc une BD. Et Les Vacances de Donald, où il n'y a pas de texte du tout. Donc, en soi, si j'avais pas. Parce que demain, je tourne le deck lecture qui sortira jeudi. En soi, s'il n'y avait pas eu le Magicien d'Oz, j'aurais pu tout boucler pour l'update. Mais du coup, voilà. Tu as rentré les BD naissance. Oui, Tam Tam, je l'ai fait hier. Du coup, je pense pas refaire une pile à lire pour la fin du mois. Surtout qu'il va y avoir le déménagement. Enfin, pas le déménagement, mais la remise des clés, le bordel, etc. Bon, quoique c'est fin du mois, mais. Par contre, du coup, alors ce que je vais faire, à mon avis, c'est que je vais piocher dans ma pile à lire les trucs qui me plaisent instinctivement pour terminer le mois. En gros. Ce qui veut dire que potentiellement Heartstopper. Non mais je vais essayer d'abord de me concentrer sur ce que j'ai passé il y a un moment, quoi. C'est ça le. Je sais pas. Est-ce que je pars aussi sur le fait que je refais un book haul avec les prochaines réceptions ou pas? Parce que dans ce cas-là. Heartstopper et La Naissance, ils sont pas encore passés en book haul, donc techniquement, ils sont pas encore officiellement dans ma bibliothèque, tu vois ce que je veux te dire. Il faut t'envoyer un pavé de 1000 pages. Oui, mais du coup, parce qu'en fait, hier, donc lui, je l'ai fini, bah je l'ai fini, bah je l'ai fini hier. Et j'ai lu aussi ça hier. Ça, ça et ça. Donc en soi, ouais, voilà, il me reste vraiment 4 trucs, quoi. Donc je pense que pour le mois. Pour la fin du mois de mars, je vais vraiment piocher ce qui me bam, quoi. Ouais, non, ça attend. Mais ça m'arrange de lire vite parce que j'ai beaucoup de trucs à lire. Mais j'hésitais du coup à refaire une pile à lire ou pas. Mais je pense pas que ce soit pertinent. Parce que je sais pas combien de temps je vais avoir en fait. Donc. Qu'est-ce que t'en pensais? Je suis en roue libre pour la fin du mois et je me remets une. Une pile à lire pour avril, peut-être. Ah, vous pouvez m'ajouter d'ailleurs, comme vous faites d'habitude, vous savez. Ah, t'es en train de lire mon livre! Vous pouvez faire me rajouter en demande d'amis si vous voulez que j'aille voir vos profils. Donc là, je sais pas si Satan, c'était ton but. Mais. Oh, joli ça. Donc n'hésitez pas si vous voulez que j'aille voir votre profil. Là, bim bam. Je pense plutôt effectivement que tu pioches selon ce que tu veux lire, selon tes envies. Refais juste une pile pour avril. Alors techniquement, mon déménagement, il aura lieu en avril. Hein. Je l'ai noté tout à l'heure, parce que j'ai eu des nouvelles de la cuisine tout à l'heure. Oh, ça va être quelque chose, ça encore, mes enfants. Avril. Donc techniquement, on a les clés le fin mars. Dernière semaine de mars, on a les clés de l'appart. Le week-end du 2 avril, il y a mon beau-frère qui vient pour déménager des bails. Et le week-end suivant... Donc vers le 9-10, normalement, on a le montage de la cuisine. Et 2 semaines plus tard, on a la livraison du plan de travail de la cuisine. Donc en soi, en fait, avril va être beaucoup plus de rush niveau stream, lecture, etc. Que mars. Hein. Parce que mars, on a les clés, ouais, je vous dis, les derniers jours de mars. Donc en soi, on peut rien faire dans l'appart tant qu'on n'y est pas, quoi. C'est logique, c'est logique. Ah, il est bien si... Oh, pas t'as vu, hein. Oui, je comprends. Après, les vidéos de pâle, c'est rapide, hein, Mizizou, c'est moins de 10 minutes en soi, mais... Du coup, ta pâle du mois d'avril va être constituée de 30 livres, étant donné ta vitesse de lecture. Bah justement, comme avril, je pense pas avoir beaucoup de temps. Après, je dis ça, mais regarde, la livraison de la cuisine qui doit arriver, du coup, la première semaine d'avril, en gros, je vais pouvoir ôter là-bas 4 heures en attendant qu'il y ait un gogo qui vient
Donc en soi, je vais avoir le temps de lire si tu veux. Hein. Sauf qu'il n'y a pas internet encore là-bas, il n'y aura pas mon PC. Donc ouais, non, ça va être intense encore tout ça. Hein. Avril, je pense que ça, je vais en chier. Hein. Je pense que vraiment, ça va être intense. Moi qui lis 6 romans de 300 pages en un mois et qui pensais que c'était rapide. Bah, c'est beaucoup, 6 romans de 300 pages, Alice. Cette année commence bien niveau lecture. Ah ouais. D'ailleurs, je n'ai pas noté mes dernières lectures. Tu fais bien de m'y faire penser. Tu fais bien de m'y faire penser. Après, il n'y a pas de comparaison à faire. Hein. C'est vrai que je lis vite. Je ne vais pas faire ma meuf d'Erwen. Hein. Oui, je lis vite. Mais c'est pas grave si vous lisez pas vite. Enfin, je veux dire, c'est pas une course. Hein. L'important, c'est de lire des choses qui vous plaisent et de passer du bon temps. Et ok, j'avais noté la page blanche. Il me manquait Peau d'âne. Elle est très très bien cette édition. Enfin, je vous en parlerai bah, du coup après-demain. Putain, de demain, ça va être. Ouf. Ça va être dense aussi, ça. Hein. Peau d'âne. Et. Oh, La sorcière aux champignons, j'ai adoré. J'ai vu qu'il avait pas des super commentaires, ça m'a surprise. Je l'ai beaucoup aimé, moi. La sorcière aux champignons. Attends, je veux juste vous montrer un truc. Ah, oh, c'est mignon. Ebismay. C'est pensé à Abysmal. Dans. Aladdin 2. Regardez juste. Ça, c'est mes lectures et les films vus sur le mois. Donc, je suis pas mal. On va dire que niveau lecture, en sachant qu'en plus, les lectures, je groupe les tomes. Hein. Donc, en gros, genre, j'ai mis Claudia, j'ai lu les 5 BD. Adjin, j'ai lu 4 tomes, 3 tomes. Donc, je groupe à chaque fois sur une seule ligne, quoi. Mais du coup, je suis contente. Pour le moment, mon mois de mars, je suis ravie. C'est nouveau comme manga. Ouais, il vient juste de sortir. Bravo, Mitaïs. En film-série, il y a Pinocchio Drama. Oui, mais je ne l'ai pas encore fini, puis je l'ai mis le mois dernier déjà. Bravo, Amaterasu. Du coup, est-ce qu'il y en a qui m'ont ajouté... Alors oui, si vous m'avez déjà en ami, faites retirer et recliquer. Ah oui, vous l'avez clairement fait, hein. Du coup, je suis très contente pour le moment de mes lectures. Je gère bien mon planning, je suis contente. On est quel jour? On est le 15. Voilà, on est là. Hop. Hop. Ah, je comprends, Doro, je comprends. Alice Bella, qui est en train de lire La Princesse de Clèves. Ah, lecture obligatoire ou volontaire? J'ai l'impression que tout le monde l'a lu, La Princesse de Clèves. Je m'en rappelle plus, moi. 14. Oh, c'est pas ouf. Ah, le duc de Nemours, ah mais oui. Comment ça finit? Ah mais vous allez spoiler. Non, faut pas me répondre. Faut pas me répondre. J'en sais plus si elle craque ou pas. Ou si elle crève. Ou si elle reste vertueuse. Mais faut pas spoiler. Pas de spoil. Bah ouais, voilà, spoilez pas. Allez, quelqu'un qui l'a lu peut me le dire en MP? Parce que moi, je l'ai lu, pour le coup. Hein. Mais il y a moult, moult. Craque ou crève? Eh non, j'ai dit, il fallait pas spoiler, je l'ai dit. Le rouge et le noir, oh. 16, c'est bien. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça. Merci Marguerite pour le follow. Marguerite Coic. C'est mignon comme pseudo. Que quelqu'un m'a DM ou est-ce que j'ai des DM mais... Ah, c'est Alice. Ah, j'avais oublié. Ok, je sais. Ah, ok. Ok, ok, ok. Je vois, je vois. Oui, je me souviens. Ah, tu m'étonnes, Pastelia. Salut, petit cookie. Envoûtement. Captive. Emprise. Stylé. On avait déjà vu Alice Bella. Tu de la lire, t'as quoi? Harry Potter, évidemment. Autant n'importe le vent. Les cafés du Docteur Marsh. Mm-hmm. Les mémoires d'Adrien. Oh! Ça, je le lis, c'est un jour. Tu l'as fini hier soir à 2h du mat. Le rouge et le noir? Waouh, t'as enchaîné de ouf! Merci Manon, t'es trop mignonne.
Ouais, encore cette saga-là. Parce que du coup, moi, ma pile à lire, je l'ai grave baissée, parce que je mets pas les suites, en fait. Je mets pas tout dans ma pile à lire. Ah oui, lui! J'ai hâte, j'ai hâte. Glittery Books! If this get us. Oh, ça a l'air mignon, ça! Attends, je peux enlever Instagram. Ah, c'est en anglais. Ah, pareil, j'ai regardé un. Souvent le matin, quand je joue à Pokémon, je mets des Bucolles ou des trucs comme ça en fond. Je suis tombée sur une Québécoise qui est super cute et elle lit que des livres en anglais. Oh, j'ai le seum! Elle en parle trop bien, les couvertures sont sublimes, mais c'est en anglais quoi. Ah, oh, trop mignon, Pastelia. C'était une choupe du coup ou pas? Ah, trop bien celui-là. J'en suis qu'au début, c'est mime, c'est accessible. Il paraît qu'il est cool son livre, Alena. Hein. J'en ai entendu que du bien pour le coup. Attends, je suis passée vite. Ah bah non, comment ça, le document expiré? Ah bah, mais, ah bon bah. Bon bah, je ne te retrouve plus. C'est la tristesse. Dio. Diocalypse, c'est Dio le mien ou c'est un autre Dio? Ah, alors celui, alors lui, vous m'avez totalement manipulé. Je suis en train de lire Les Liaisons dangereuses de Laclos, t'en penses quoi? Je l'adore. C'est un très bon classique. Celui-ci, regardez ce que vous avez fait. Regardez ce que vous avez fait. Tu sais, à la base, je sais pas si vous vous rappelez, je l'avais vu passer. C'est le tien. C'est le tien, tien, tu veux dire. Tu voulais dire c'est le mien. C'est le mien quoi? Diocalis, c'est pas moi. Hein. Je comprends pas. C'est quoi, c'est le tien? J'ai pas compris. Oui, à la base, vous étiez en train de le lire de votre côté. Et moi, j'étais en mode, ouais, non, c'est pas trop ma came, bof, bof. Et en fait, à force de tomber dessus, j'ai relu le résumé plusieurs fois. Et voilà. Voilà ce que vous avez fait. Ah, c'est mon Dieu. Ah, j'y étais pas. Du coup, Didi, j'attends ton avis. Voilà. Ah, je l'ai aussi, Nola. Merci pour le follow, Froggy. Est-ce que tu as lu les 7 vies de Léo? Non. C'est mon Dieu. Du coup, tu me diras. Parce que j'aimerais bien le lire maintenant. Il paraît que c'est féministe et cool. Du coup, voilà. Voilà, je suis faible, hein. Alors qu'à la base, j'étais en mode. C'est pas trop mon truc. Oui bah tiens, c'est pas trop mon truc, c'est pas trop mon truc bah. Et un petit manga entre-temps, t'as raison, faut mettre des petits mangas. Ah oui, tu les enchaînes en fait. Ah, tu vas peut-être d'abord te lire les trois petits mangas et puis après. Oh non, t'as commencé en même temps. Petit manga avec un petit roman. Le jardin. Oh, 19. Salut chaton. T'as mis une très bonne note. Ça ne m'étonne pas. Combien j'avais mis moi? 18. Ah, t'as été au-dessus. Je veux pas dire, mais la voleuse de livres est en commande sur Vinted par ta faute, c'est une vengeance. Ouais, je comprends. C'est quoi un univers méca, Prout? C'était trop bien. Mais je sais, Didi, je sais. C'est moi qui l'ai conseillé. Je sais. Oh! J'ai Ah oh non, 14 seulement. J'ai eu peur au début. Je n'étais pas convaincue par le personnage de Félix et la plume avait comme un effet de répulsion. Ok. Oh oui! T'as Didi, t'as une bonne. Oh, la cantatrice chauve. Tu l'as aimé ou pas, lui? J'ai détesté la cantatrice chauve. Ah, mais Ionesco. Ionesco, il n'y a que Rhinocéros qui est passé. Mais alors. Attends, il y avait des chaises aussi que j'avais lues. Oh, Seigneur Dieu. Oh, la piquette mentale. Ah, mais attends, tu sais quoi, je vais les noter. Non mais je vais les ajouter, ah non mais je les ai lus hein. Je les ai lus hein, je vais les noter hein. Je crois que je me suis tapé le truc, ah non non c'était vraiment. Ah bah j'en suis ravie Manon. Il a même pas mis de note, ouais non j'avoue. Rhinocéros, moi j'avais une vieille, non c'était pas celui-là. Je vais bien trouver mon édition à hein, moi, les chaises, c'était ça que j'avais. Oh là là, oh le cauchemar, oh le cauchemar! Mais encore les chaises, il y a un semblant de logique. Faut le chercher,
faut le chercher, mais il y en a un, tu vois. Il faut le chercher loin, loin, mais il existe. Mais alors, la cantatrice chauve, j'ai cru que j'allais mourir. En plus, les chaises, on avait vu une représentation au théâtre, un truc un peu moderne. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on s'est fait chier. C'était spécial, le pompier m'a fait rire, mais c'était spécial. Mais en fait, Ionesco, c'est de l'absurde. Donc ça n'a aucun putain de sens. Ben voilà le résumé, hein. Madame Smith. Tiens, il est 9 h. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Et en fait, rien n'a de sens. Voilà. Soyons clairs, rien n'a de putain de sens. Alors attends, du coup, il n'y a pas un rhinocéros. Ah voilà, rhinocéros tout seul. Je pense que c'est lui que j'avais. Moi j'avais un vieux bail, hein. Ah bah c'est lui que j'avais, voilà. Lui ça passe. T'as un semblant de sens dedans. Oh, je suis pas sûre que ça te plairait, chat. Hein. Je sais que t'aimes quand c'est dingue. Mais là, c'est vraiment. C'est pas juste dingue. Ça a pas de sens, quoi. J'aimerais bien retrouver mon édition. Je crois que je vais me faire foutre. Ok, non mais je le prends bien. C'est pas grave, je vais prendre celle-là. Je vais en prendre une autre. Je crois que c'était peut-être ça. C'était s'approchant, quoi. Ah non, mais par contre, ouais, non. Quand t'as très chaud, c'était. Mais c'est bien, ça m'a rappelé des souvenirs, toi, Didi. Grâce à toi, j'ai complété, voilà. Deux classes, trois classiques supplémentaires dans mon bordel. Après, ça se lit très vite. Ah bah, Dieu merci! Oh, rhinocéros, c'est long quand même. Hein. Mais tu sais que je me souviens. La cantatrice chauve, c'est rapide, mais qu'est-ce que c'est mauvais. Ah bah, je me suis fait chier. Oh, oh là là. Ah non, 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 c'est pas pour moi. C'est vraiment chelou, quoi. Encore une fois, si vous voulez tester rhinocéros, je pense que c'est le plus simple. T'as une vraie histoire, en fait. Alors que les deux autres, t'en as pas vraiment. Ah oui, cadence, oui, c'est spécial, hein. Ouais, je comprends maintenant. Bah moi, c'était à la... Je sais plus si c'était au lycée ou à la fac que j'avais dû le lire, mais... Ouf, c'est pas une très bonne note, ça. Ouf. Les sorcières de la fin du monde, c'est si mauvais? 8 et 7, eh, ça pique quand même. En plus, je l'ai en wishlist. C'est vraiment pas bien? Didi? Didi? Oui, c'est pour ça, Alice. Rhinocéros, ça passe. J'ai que le 1, mais je vais prendre le 2. Diochon? Pourquoi tu l'appelles Diochon? Ah bah, on est tous suspendus aux lèvres, Didi, hein. Ah parce que là, en plus il n'y a que 3 tomes. Ah mais c'est peut-être pas fini. Ça dit. Par contre la moyenne est effectivement beaucoup plus basse. Hein. On a un bon petit 15,5, un petit 15,1 et bam, 13,7. Ah oui. Ouf. Oh là là. Ah oui, ça pue de ouf en fait. Une série pas mal décevante au final. Il ne suffit pas d'un joli enrobage pour proposer une bonne histoire. Bam! Ici, tout est survolé, tout est téléphoné, tout est déjà vu. Ça a cruellement manqué d'approfondissement et d'ambition. Je n'ai pas accroché aux jeunes héroïnes, trop fleurs bleues, et pourtant j'aime ça. En revanche, les adultes étaient intéressantes et auraient mérité mieux. Assez dispensable. Bam, bam, bam! C'est pas très beau, c'est mal écrit, la relation me paraît forcée, c'est trop rapide, trop facile. Ok! Je crois que je vais l'enlever du coup. Hein, voilà. Non, mais écoute. Hein, bon. C'est. Bon, après, elles ont l'air mignonnes quand même. Mais oui, mais. Il n'y en a que trois. Il y a un très beau contexte, mais il n'y a pas d'ambition. Oh là là, c'est violent, Didi. Ah, c'est violent. Qu'est-ce que je fais? Je le garde en wishlist ou je l'enlève, ça? L'influenceuse influencée, grave. Bah déjà, si je l'ai mis dans ma wishlist, c'est grâce à vous, hein, grâce ou à cause, du coup. Tu peux te le garder pour te faire rendre. J'avoue, en médiathèque. Il va dans la liste en médiathèque dans ma tête. Voilà, très bien. Faut que je me rappelle que j'aime pas, du coup, que c'est pas bien, du coup. Mais... Oui, ça, oui, j'avais vu déjà. Ah, celui-là, il m'intéresse aussi. T'as mis que 14, et lui alors? Enlève, ne te fais pas ça. Non, mais pas de l'acheter, mais médiathèque. Bien.
Ouais, 14, c'est un ventre mou un peu 14 quand même, hein. Bien, c'est sommaire comme critique. Ouais, Prout, ça marche. Bah, disons que je vais me faire mon propre avis, mais pas claquer 10 balles, quoi. C'est ça le. Tu vois? Mais la médiathèque, j'ai tellement hâte d'y aller à cette médiathèque, putain, merde. On est vulgaire, on est vulgaire. Mais d'ailleurs, faut que je me renseigne sur comment réserver sur le site de la médiathèque. Mais c'est un peu lent, mais c'est bien. La fin part un peu en mode chelou, mais c'est grave intéressant. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il va lire, le Didi? Les filles qui ne mouraient pas et Circé. Ah, Circé, tu t'es pas encore laissé convaincre. Les filles qui ne mouraient pas, par contre, ça ne me dit rien. J'ai pas vu ça. Oh là, c'est long. Vous voyez ou pas? Vous arrivez à lire ou pas quand c'est comme ça? Ça me dit rien maintenant. J'avoue, j'ai un peu la flemme de lire à voix haute. À peu près, pas sur portable. Ah oui, sur portable, vous l'avez dans l'os. Attends, je vais vous. Je lis. Alors, tu sais quoi? Je lis le résumé, je vous résume le résumé. Ça m'oblige à me concentrer un peu parce que là. Fiu, fiu, fiu. Oh! Ok, c'est deux meufs, deux sœurs jumelles qui sont capturées et réduites en esclavage. Et il y a une des jumelles qui veut se taper une meuf, qui a l'air cool. Mais en fait, bah, elles vont pas pouvoir baiser parce qu'elles vont se faire sacrifier à un dragon. Et quand le dragon il les prend les filles, bah personne sait ce qu'elles deviennent. Voilà. Je résume bien. Ça me fait plaisir. Ça a l'air sympa, mais j'attends que tu le lises. Vu que tu l'as en pile à lire, hein. Non, parce que des histoires de dragons et de filles, j'en ai déjà lu une tripotée et ça me plaît pas toujours. Il y en a qui m'ont beaucoup plu, il y en a qui m'ont moins plu. Hein. Ah, une liseuse, Manon, tu veux dire? Bah oui, pourquoi Diochon? C'est pas clair! On me l'a offert, donc bon, faudrait le lire, donc. Ah oui, ça t'emballe pas. Ah! Ah! 37 en wishlist! Café con leche. Ah oui, mais c'est en portugais, je suis sûre. C'était sûr, voilà. Parce qu'il dit portugais, j'ai des modos intelligents. Mais ça va pas être traduit, si. Non, mais oui, non, mais tu lis en anglais aussi, non, mais voilà. Hey, tu veux la pète, je lis en anglais et en portugais. Ah oh, oui, c'était mignon. Je l'ai lu ce truc-là, hein. Ouais, j'ai mis 17. Oui, je m'en souviens et je me rappelle, parce que j'étais pas sûre si c'était celui-là ou un autre. Et j'étais un peu déçue parce que de voir que les gens, souvent, ils sous-notaient. Genre dans les commentaires et tout. Et je trouve très bien. Oui, l'histoire sans fin, très très bien. Il y a une très belle édition d'ailleurs que Bébou a et que du coup il est dans sa wishlist. Mais La Nuit des Temps, oui, mais Didi, faut que tu le lises! Faut que tu lises La Nuit des Temps! Tu vas adorer La Nuit des Temps. C'est sûr! C'est sûr! Oui, ça s'appelle comme ça, Manon, une liseuse! La Servante Écarlate, la voleuse de livres, oh là là, la voleuse de livres, tu vas bader, mais. Le patient, faut que je le lise. Je pense que je vais peut-être me le rajouter. C'est quoi là? J'ai trop envie d'aller lire. Comme ça, je finis ma pile à lire. Et je peux. Pourquoi c'est ce qui s'ouvre? Et après, je peux commencer à lire d'autres livres qui sont pas dans ma pile à lire. Et du coup, là, en fait, là, je vais être dans la zone incertaine de ma vie. Genre, j'ai terminé mon objectif. Qu'est-ce que je fais après, tu vois? Ça, c'est la wishlist, Oshiko. Les liaisons dangereuses, bien sûr. Ah, Bébou, il l'a lu, je crois, celui-là. C'est un. Je regarde ce que c'est, ça. Shadows House, il est cool. Ah oui, tu t'es mis carrément toute la saga en. Enfin, les trois premiers. Sœur 10, il est cool. Et Sorcière, bien sûr, il est cool. Faut que je vous le lise. Oh, j'ai ajouté ton wishlist. Ah, c'est auto-édité? Ah, ça risque d'avoir du mal à le trouver en médiathèque alors. Parce que j'allais dire, comme c'est du jeunesse, je me barre. En général, jeunesse, je pars sur du médiathèque. Hein. Tout au long de l'année, Elliot enferme ses vœux à l'intérieur d'étoiles en papier, dans l'espoir de les voir un jour se réaliser. Ils sont variés. Monter tout en haut de la tour Eiffel, avoir son bac, manger une bonne brioche, acheter une nouvelle paire de baskets. À 16 ans, il y a tant de choses qu'il désire.
Mais quand Sora, son meilleur ami, prend sa jarre à souhait et s'engage à en réaliser un par jour pour se faire pardonner d'avoir encore oublié son anniversaire, Elliot n'est plus très sûr de vouloir que ses rêves deviennent réalité. Parce que dans ses étoiles, il y a aussi de grands secrets, comme l'amour qu'il porte à Sora depuis des années. 24 jours, 24 vœux et 24 chances d'être démasqué. Décembre promet d'être agité. Allez, wishlist! Wishlist, wishlist! Trop mille, mon Didi. C'est chou, mais grave! T'as une belle wishlist, hein? Franchement. C'est bien parce que t'as du mi-déprimant. Mi-pas déprimant. T'as quand même pas mal de badants, mais. Ah, ça, c'est le livre préféré de Bibou. Tu vois, t'as du positif. T'as du positif quand même. Et tu n'as pas mis peau d'homme? Ah bah c'est ça pouf. Je veux trop savoir moi aussi maintenant. Attends, c'est lequel que t'as abandonné? Tu l'as abandonné lui aussi? Putain, je crois que tu me l'avais dit en plus. Si, ça me fait trop rire de le voir là. Tout le monde l'a abandonné ce livre, le pauvre. Edlor, Edor, Edor. Ah, Maurice. Comment ça tu lis aucun livre en ce moment? Bah dis donc. Bah dis donc, Edolr, il faut lire un livre. Même si t'es à 0%, tu tapes dans recherche. Le prochain là que tu vas lire à la fin du stream ou demain ou tu le rentres, tu fais je lis. Bah, il faut qu'on sache quelle va être ta lecture. Là, regarde comme c'est triste là. Quand je dis ça, j'ai quoi moi? Je sais pas si j'ai rajouté. Ah bah voilà, regarde. Je dis des choses et je le fais pas. Vas-y, attends. C'est quoi, je vais faire la même. Qu'est-ce que je lis en prochain? Les vacances de Donald. C'est bien, ça va faire une lecture très adulte. Pour montrer. Allez. Je lis les vacances de Donald. Après le stream, là. Voilà. Regarde, c'est quand même plus joyeux. Ça met un peu de joie, un peu de vie, un peu de tu vois. Ok, Tam Tam, je vois l'explication. Comment on fait pour que tu regardes notre livre addict? En gros, attends. C'est ici. Là, tu vois, on est amis. Enfin, tu peux faire une demande sur mon profil pour qu'on soit amis. Et du coup, je verrai ici. Du coup, en fait, pour que je regarde à chaque fois, si vous voulez que j'aille voir vos profils, il faut me demander en ami à chaque fois. Je vous rajoute à chaque fois. Hein, c'est pas un problème. Même si on était amis et tout. Je sais pas si vous comprenez. Mais si tu viens de t'inscrire, ça n'a pas trop d'intérêt. Du coup, il n'y aura pas grand-chose sur ta page encore. Merci, Angel. C'est très gentil. Ça a l'air trop mignon, Elodie. Sans doute, bah, Priya, c'est comme moi, hein, en soi. Hein. Tu lis, tu regardes, surtout. Oui, oui c'est sûr. Moi, c'est pareil, en soi. Hein. C'est que j'ai fini lui hier soir, que j'avais pas décidé ce que j'allais lire après. Hein. Mais c'est juste que j'aime bien quand c'est tout joli, tout bien rempli, tu vois. C'est sympa. Ah, ok, Viax. Non, mais je répondais pour Pastelia, qui disait qu'elle venait de s'inscrire. Ah, je comprends, Edo. En parlant de lecture et de littérature, donc, pourquoi avoir été en licence de lettres et pas en prépa littéraire? Je crois qu'à l'époque, je ne savais pas qu'une prépa littéraire existait, déjà. Je voyais pas l'intérêt d'aller en prépa parce que je voulais, de toute façon, juste... En fait, en gros, quand j'ai eu mon bac, moi, je voulais être instite à la base. Donc, il me fallait une licence, peu importe le domaine. Donc, du coup, je me suis dit, ok, bah, licence, bah, j'aime bien le français, j'aime bien lire. Allez, je go en lettres. Voilà, c'est tout. J'ai pas eu plus de... réflexion là-dessus que ça. Prépa à la base c'est pour préparer les grandes écoles et c'était pas du tout dans ma culture on va dire d'aller de faire des études. Déjà une licence j'ai le plus haut niveau de ma famille hein, pour te dire. Donc et c'est une licence, c'est un bac plus 3 si tu veux donc voilà. Donc maîtresse Tibou je ris en écrivant ça. En vrai franchement je pense que ce serait une bonne instite. Vraiment. Je dis pas ça pour me la péter, hein. Ça se trouve, je serais une catastrophe. Mais je pense que je serais une bonne incite et que les gosses, ils me kifferaient. Je pense. J'exclus pas d'ailleurs, pourquoi pas, d'être incite un jour. Pourquoi pas. Du coup, bah du coup, je sais pas si t'es encore là. Oula, 3 sur 20 à SAO. Oh, c'est pas une très bonne note. Je savais pas que Mila avait fait un livre. Ah bah, c'est abandonné. Bon, ça doit pas être ouf.
Ouais, tu vas priver. Oui, alors n'hésitez pas à me re-rajouter. Genre, par exemple, en fait, ce que tu peux faire. Attends, je vais prendre quelqu'un que. Je sais pas qui est là. Y a pas... Vous avez pas les mêmes pseudos, alors c'est pas facile de savoir. Bon, Elliot, par exemple. Ah, une belle image de photo de profil. Par exemple, en gros, là, tu as bim. Je le retire de mes amis. Et bim, je le rajoute. Donc en gros, lui, là, il a une notif de ma part. C'est tout. Donc c'est ça, en fait. Ah bah t'es là! Bah super, comme ça t'es pas choqué. T'es pas surpris, genre, qu'est-ce que j'ai fait? Mais du coup, voilà, si jamais vous voulez que je voie votre page, vous faites ça. Mais j'ai pas le temps de voir 50 000 personnes dans le stream, hein, donc... Puis si je vous ai vu la dernière fois, vous avez rien rajouté, ça sert à rien non plus. Mais c'est bien, Pripri, bravo. Oh! T'as mis 19? Putain! Attends, je scroll vite fait pour voir ce qui me botte. Beaucoup de mangas. Ah, lui, j'en ai entendu parler. Ouf. Trône des Sept Îles, j'en ai entendu parler aussi. Lui, il me titille, lui. Le fracas et le silence. Ah, c'est du contemporain. Ah, t'as bien aimé, en tout cas. T'as raison, Elliot. Merci pour le follow, Lisa Hello. C'est pas ma came, perso. Contemporain, truc de famille, de retrouver du pognon pour sauver son frangin. Mais la couverture est sublime et vu la note que t'as mise, ça sent le chef-d'œuvre. Hein. Ah, t'es sur le serveur. Ah non, mais alors là, c'est sur un site, Pastelia, c'est pas sur le serveur. Et t'es en train de lire Sasaki et Miyano. Celui-là. Attends, il me dit un truc, lui. Oui! Ben oui, c'est l'auteur de Ils meurent tous les deux à la fin et c'est genre une boîte où tu peux oublier des souvenirs douloureux. J'en ai déjà parlé. T'as mis une bonne note, tu as aussi 18? Oh, 125 en pile à lire. Le prince cruel! Ça faisait longtemps! Oui, il était incroyable. Le prochain roman, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes. Ça, j'en ai entendu parler aussi. Le prince cruel qu'on voit partout, n'est-ce pas? Attends, oh oui, en pile à lire. Il est génial. J'ai vraiment envie de me l'acheter celui-là. Ou emprunter en médiathèque, je verrai. Faut que je trouve comment faire pour emprunter. Parce qu'en fait, sur le site. Est-ce qu'il y a des grenoblois qui sont présents ou pas parmi vous? Ah, ok, Pastelia. Oui, ah, merveilleux. T'es inscrite à la médiathèque ou pas? Oui, je l'ai lu et ils meurent tous les deux à la fin. J'en avais parlé en update, mais il y a longtemps. J'aime beaucoup. Parce qu'en fait, en gros, sur le truc de. Non, t'as peur. De quoi t'as peur? De quoi t'as peur? C'est quoi cette réponse? De quoi t'as peur que la médiathèque elle te bouffe? Genre, tu crois que la médiathèque, les livres, ils vont sortir, ils vont faire ah, j'ai envie de manger ma loxinia. On va t'engloutir. Le spoil de quoi, Alice? J'ai rien spoilé. Ah ouais, Elliot. Mais j'ai pas pleuré, ils meurent tous les deux à la fin, donc... Oui, alors en fait, le truc, c'est qu'avec ma carte, je peux réserver depuis le site. Ça, c'est sûr, j'ai déjà vérifié. Le truc, c'est que normalement, tu peux demander à récupérer tes réservations dans une des médiathèques de Grenoble, parce qu'il y en a 12, je crois, en tout. Enfin, Grenoble et environ. Et le truc, c'est ça que j'ai pas compris. Voilà, bah justement, ça concerne aussi les villages à côté, c'est le même réseau. Et le truc, c'est que forcément, si tu réserves un livre, mais qu'il est à la médiathèque à l'autre bout de la ville, et que tu dois te taper 2 heures de marche, c'est pas ouf, tu vois. Et je sais que normalement, tu peux regrouper tes commandes, tes réservations, pour aller les chercher en médiathèque. Oh, trop bien, Viax! Regarde pas la fin de la pile à lire. Du coup, j'y vais. Non, regarde! Ah oui! Celle-là aussi, une titi. Hein. Ah oui, les fairy tales, oui, d'accord. je sais pas si c'est comme chez moi, mais oui, normalement, tu choisis ta médiathèque. Bah, le truc, c'est que justement, sur leur site, quand j'ai regardé, tu peux réserver. C'est marqué, en fait, quand tu as le livre, tu peux cliquer sur réserver.
Et ça te met où il est, mais j'ai pas vu d'onglet. Alors peut-être qu'il faut cliquer dessus avant de pouvoir le rapatrier. Peut-être, Alice, c'est ce que je me dis. Parce que pour le moment, à l'étape où j'en suis, ils ont pas demandé. Mais faut tenter. Ouais. Montre-nous le site. Il faut que je me connecte dessus. Attends. Parce que je veux pas. Je vous aime, hein, mais attends. C'est pas une mauvaise idée en soi. Hein. Bouge pas. Non, parce que je vous kiffe, hein, mais mes infos perso, bon. Autant qu'il reste perso, tu vois ce que je veux dire. Alors attends. Bibliothèque pratique, patrimoine, non. Où c'est? Votre compte abonné, voilà, c'est ça qu'on veut. Se connecter. Ah bah non, en fait, ça craint rien. J'aurais pu. Ah si, là, il y a. Oui, là. Wow, il y a mon nom. Ah si, il y a mon numéro de téléphone. Ouais. On va peut-être éviter de. Hein? Voilà. Attends, je fais une simu. Je fais une simu. Ah mais attends, j'ai peur qu'après, vous voyez mes bails, en fait. Attends. Bon, on va espérer qu'il n'y ait pas de. Hein? Bon, là, je suis sur le site catalogue. Il y a mon nom de famille, mais on s'en fout, vous le connaissez, mon nom de famille, j'ai écrit un roman, n'est-ce pas? Donc c'est pas un secret. Vas-y, on va faire une simu. Elliot, thanks. Imaginons. Qu'est-ce que je veux lire? Non, Tam Tam, je vous aime, mais. Tu vois, genre un truc jeunesse. Bah, ce qu'il y avait là, putain, je suis con, c'était sur sa page. Je suis en train de chercher exactement celui qui était sur sa page. C'est complètement stupide. C'est complètement stupide, hein. Le prince cruel. Bah non, Alice va me l'offrir. Ce serait con. Ce serait couillon. Tiens, en apnée. Voilà, parfait. En apnée, c'est typiquement le genre de truc que je veux emprunter. Genre, en apnée. Chercher. Est-ce qu'ils l'ont? Plonger en apnée pour tous. Alors. Oui, parce qu'il y a aussi les... Il est là. Document disponible. Voilà, très bien. Donc, je clique dessus. Voilà. Exemplaire à Abbaye-les-Bains et à Jardin de Ville. Tu vois? Ça serait drôle, t'en aurais deux. Hilarant. Donc là, je veux faire réserver. Tu vois, je peux sélectionner ou que Jardin de Ville ou Abbaye-les-Bains. Et imaginons... Bon, là, Jardin de Ville, ça va, c'est dans le centre, tu vois. Donc, je peux aller le récupérer. Mais imaginons... Il n'y a que Abbaye-les-Bains. Parce qu'Abbaye-les-Bains, c'est pas la porte d'en face, tu vois ce que je veux dire? C'est, il y a une trottoune, hein. Mais du coup, je me demande peut-être qu'après... T'es sûr qu'ils peuvent les envoyer d'une médiathèque à l'autre? Alors, c'est sûr que oui, puisque quand tu rends tes livres, tu peux les poser où tu veux. Genre, par exemple, si là, je le récupère à Jardin de Ville, je peux le récupérer... dans celle du centre, enfin je peux le rendre dans celle du centre ou ailleurs quoi. Et ils font des navettes tout le temps en fait. Donc s'ils font des navettes pour les rendre, logiquement ils font des navettes aussi pour les récupérer. C'est complètement con, parce que Abbaye-les-Bains, genre c'est hyper loin. Ça veut dire que si t'as un livre qui te plaît à Abbaye-les-Bains, tu le liras jamais. C'est complètement couillon. Je ne sais pas, je me permets. Alors, tu sais quoi, on va essayer. Au pire des cas, attends, on est le 15. De toute façon, il n'a pas l'air bien grand. Il a combien de pages en apnée? On ne sait pas. Oh, il ne doit pas être bien grand. Attends. Mais il était là. Mais qu'est-ce que je suis débile. Oh, je me fatigue, hein. Combien il fait? 160 pages. Voilà, c'est un bébé. On va le réserver. On va réserver à Jardin de Ville et je vais voir si je peux le bouger. Dans ma bibliothèque, ils font les transferts, mais soit faut appeler pour réserver, soit y aller, et après, ils font le transfert. Ah, ça m'étonnerait que ce soit pas dispo sur le site, quand même. Vas-y, je confirme à Jardin de Ville. Vous aurez le rang 1, mais c'est merveilleux. Ok, alors attends, je vais juste cacher, parce que j'ai vraiment pas envie que vous ayez mon numéro. Vas-y, attends, je regarde mon dossier. Donc, j'ai une réservation. Parce que pour le moment, il n'est pas disponible. C'est complètement con d'ailleurs. Parce qu'il était, il était dispo. Ah,
Et je peux supprimer ma livraison, mon truc par contre. C'est bizarre, hein? Appelle pour te renseigner. Ouais. Ça me perturbe. Après, je veux pas vraiment aller dans le jardin de ville. Je pense que je vais annuler la résa. Et on revient sur Livradic, je vous remets le visuel du coup. Hop. Mais tu vois, c'est pas pratique du coup. Ça que je trouve couillon. Ou alors il faut peut-être que j'aille à un guichet de bibliothèque pour faire ma commande directement là-bas de ce que je veux. Pour aller les chercher à la bibliothèque en question. Mais dans ce cas-là, ça sert à rien d'avoir un site internet, quoi. Enfin. Ouais, faudra que je demande. Je pense que j'essaierai de faire une résa dans la bibliothèque qui sera le plus près de mon futur chez moi, peut-être. Je sais pas. Ah, c'est dommage, Myriam. Mais du coup, ouais, c'est compliqué. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. J'en ai plein des jeunesses comme ça que j'aimerais bien emprunter. Et après, si je les kiffe, je les achète, tu vois. Je me dis. Voyons voir. Irine! Ah, il est bien pour le moment? Où est la vraie vie? Attends, j'ai des messages. Ce matin, j'étais en retard pour le sport et j'ai cru qu'il pleuvait. Et il y a la cuisine qui m'a appelé à ce moment-là pour la fin, pour la cuisine. J'étais en mode, les gars, j'ai pas le temps. Un jour, ma princesse viendra. Oui, je l'ai pas lu. Scarlett, très bien. Ouais, ça m'étonne pas de la note. Et wishlist 9. Cinder. Mais attends, Cinder, c'est le premier normalement. Alors, Erin, tu as lu Scarlett avant de lire Cinder, c'est. T'as pas dû biter grand-chose quand même? Ah bah tant mieux, ça, attends, ça me fait plaisir. Non, parce que Cinder, ça vient quand même en premier, hein. Donc je. Oh, For Dead Queen, sympa. Et le pouvoir. Et un palais des fines roses. Merveilleuse référence. Liam Boy. Jour sauvage. Oh, ça a l'air dystopique. Ils ont entre 13 et 15 ans. Ils ne se connaissent pas. Ça me plaît bien déjà ce début. Par contre, lui, s'il a vraiment entre 13 et 15 ans, il fait grave plus vieux. Hein. Ah, quoique. Il est juste photoshopé. Mais ils sont inscrits ensemble à un stage bushcraft dans les Pyrénées cet été. Le bushcraft, c'est l'art de vivre dans les bois. Sans toit, sans nourriture, sans rien. Certains sont prêts à se donner à fond, d'autres feraient n'importe quoi pour ne pas être là. Mais tous ont un même défi, dépasser ses limites. C'est un thriller. Oh, trop bien, Malonia! Bah, tu sais que moi, j'avais pas trouvé, moi, quand j'étais allée. Hein. Il l'avait plus. Hein. Trop bien. C'est quoi, Kael? Mais de rien, portugaise. Ça me fait penser à. Ah, Koh-Lanta, pardon. Ça me fait penser. Oh putain, c'est lequel? Ah, 10 jours avant la fin du monde. Je crois. Je suis pas sûre que ce soit ça, mais. J'ai mis un espace entre le 1 et le 0, il va pas me le trouver. C'était sûr. Mais non! Ah! Oh 0 jours avant la fin du monde, il va certainement pas me trouver. Attends. Il existe, j'en suis sûre, hein. Cherche pas.
Voilà, il est là. Manon Fargeton. Quand on ne trouve pas le titre, tapons l'auteur. Ah, Maloxnia. Mais attends, Maloxnia, t'as pas. Attends, c'est toi qui m'as répondu pour la bibliothèque ou pas tout à l'heure? Qui dit que j'avais la trouille? Oui, je crois que oui. Hein. Une petite grenobloise. Oui, c'est toi. Hop. Ah bah c'est lui que j'ai en wishlist. Et ouais, celui-là. En plus, attends, je suis désolée. Niveau visuel, il y a quelque chose. On est sur des bandes avec des enfants. Il y a quelque chose. Merci pour le follow, Juliette. Émilie! On a ouvert ton courrier. T'es sûr que c'est pour les chats, ça? Ça fait penser aux mini saucissons pour nous. Enfin, aux saucissons pour nous. Ah bah tant mieux, Plume, tant mieux. Tu l'as lu ce livre? Oui, celui-là je l'ai lu. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai mis 15 d'ailleurs, mais oui, parce que la fin était mi-molle. Mais celui-là, du coup, il me titille un peu. Liam, tu m'as intriguée. T'es mignonne, Navy. Qu'est-ce que je fais? Wishlist ou pas wishlist? Elodie. Je sais pas, hein. T'en es où, Liam? T'aimes bien ou pas? Ajouter à la liste un jour, ouais. J'allais dire, allez, j'hésite en vrai. J'avoue que la couverture ressemble, mais de ouf! Et genre la thématique aussi quand même, hein. Mais Wishlist, c'est toujours la réponse divine. C'est un peu le... Bon, allez. Allez, vas-y, d'accord, je. On sait jamais. Oui, voilà, si jamais... Oui, ce serait médiathèque, clairement. Ouf. 11 pour Antigone. Oh, la tristesse. Jean Anouilh, il va se retourner, là. Il est mort, je crois, Jean... Ça date de quand, Antigone? Ah oui, il est mort en 1987. Ça fait un petit moment comme ça. Hein. Mais Émilie, il faut enlever le petit truc en métal en haut, non? On va pas leur... Faut que je leur donne comme ça ou j'enlève le plastique rouge? Il avait une tête sympa un peu? Non, pas vraiment en fait. Beaucoup de manga! Wishlist, ah, amour sucré, ces jours qui disparaissent. Oh, oh. T'aimes bien les trucs de survie, toi, hein? Ah, il y a un vrai délire survivaliste là, hein? Douze ans, 7 mois et 11 jours. Elle, tome 1. Ah bah là, alors là, toutes mes lectures. Boum! Ah oui! C'est le mien! Non, il faut tout ouvrir, c'est du plastique autour. Ok. Sur la mini du stream, il y aurait les petits saucissons. Ça dépend qui l'a fait. In the after... L'école en... Oh, tu vois... Oh putain, il est dur, hein. Ouf, j'ai lu les deux premiers tomes avant de dormir, j'aurais pas dû. Hein. Il est hyper ardos, hein. C'est... Tu le sens passer. L'Oxalis et l'or, très bien, très bien. Très, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Il est très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Celui-là, la couverture est belle. Mais... Il a l'air plutôt bien. Ouais, il a l'air parce que la couverture est stylée, quoi. Vas-y, wishlist. Allez, médiathèque, médiathèque, mais... Oui, Prout, oui. Vas-y, j'ai envie de réserver en médiathèque maintenant. C'est la tristesse. Tu vas lire quoi? Ah, Jean!
En tout cas, j'espère que le colis t'a plu. Bah, tu verras en rediff, Emily, pour avoir les détails de mes réactions en immédiat. Mais oui, j'ai beaucoup aimé et je te remercie encore 1000 fois. J'ai très très hâte de lire. Loulou Books. Ah bah celui-là, attends. On s'influence mutuellement, c'est ouf quand même. Hein. C'est ouf. Hein. Jeunesse historique. Oh non, 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 c'est déprimant. Neil, très déçu par la fin. Oui, je comprends. Très, je comprends. Mais t'as quand même mis 16, donc... C'est... Otage de la nuit. Les royaumes de feu. Oh, Pays des contes, je l'avais lu, ça. Mais il y a longtemps. Est-ce que c'est noté? Ouais. Je l'ai encore dans ma bibliothèque. Je suis pas sûre de l'avoir encore dans la bibliothèque. Comme on l'a vu la dernière fois d'ailleurs, la maison dans laquelle. Je l'ai plus dans ma bibliothèque. Je l'ai déjà ou donné ou vendu. Je ne sais plus ce que j'en ai fait, mais je l'ai viré quand j'ai déménagé. Donc ma bibliothèque, elle n'est pas à jour en fait. Je comprends, j'ai mis 16 à Nil aussi. Ouais, je sais plus combien j'ai mis moi. Je suis con, il est en dessous. Ah, oh, crotte de bicouille! Voilà, merci. Combien j'ai mis à Nil? 18! Ah oui! C'est une très bonne note. Mais moi, j'ai vraiment. Je me rappelle que j'avais vraiment beaucoup kiffé. J'avais vraiment été embarquée. Après, la fin était pas ouf, mais j'avais vraiment, vraiment, vraiment aimé. Merci pour le follow, Emikoi! 18, c'est vraiment une bonne note. En fait, en fonction de mon mood, mes notes, elles doivent varier, quoi. 55 en pile à lire. Ah oui, t'as de quoi faire. Machel. Ah oui, tu mets les sagas complètes, toi aussi. Passe-miroir. Ouf! Dry, sympa, Phobos. Ah. Et tu veux quand même lire la suite de Nil, même si t'as pas trop aimé du coup. Enfin, t'as pas trop aimé, t'as mis 16. Hein. Labyrinthe, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu le 1 seulement, mais. J'avais bien aimé. Attends, je vais juste passer en accueil vite fait. Parce que. En fait, en accueil, je peux voir ce que vous lisez. Donc, on va passer vite fait. Parce que, mine de rien, il est 42. Alors, attends, je vais tous vous accepter maintenant. Comme ça, on passe vite fait partout. Mais en soi, j'ai une vidéo qui sort à 18h. Donc je serais contente que... Oh, le prince cruel, évidemment. Oh, 18h, vous avez dit bien ça comme lecture. Qu'est-ce que tu disais? Oui, donc oui, je vais passer vite fait, mais comme j'ai une vidéo qui sort dans 20 minutes, tu vois. Oh, mais tout le monde, vous êtes plein à lire mon bouquin, ça me rend très heureuse, ça. Ouais, je comprends plus. Moi, j'ai bien aimé l'histoire d'amour, pour le coup. Elle m'a point du tout dérangée. Du coup, qu'est-ce que vous lisez, mes enfants? Alors, Hitchcock, histoire à lire, toute porte close. Merveilleux. Stephen King. Ah oui, 4V Clock, t'es sur une lecture positive, quoi. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo assez particulière. J'ai été invitée dans une université il y a quelques mois pour présenter un projet sur lequel ils sont depuis longtemps. Et du coup, je vous le présente en vidéo. Donc si vous pouvez aller voir, c'est une vidéo sponsorisée, mais si vous pouvez aller la voir, enfin j'ai passé beaucoup de temps, et honnêtement leur projet est vraiment chouette, donc si jamais vous pouvez aller la voir, et mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, ça me fera plaisir, voilà. Comme toi, ça me fait penser à la... Une fille disparue, c'est mort, c'est pas pour moi, ça me fait penser à la chanson de Jean-Jacques Goldman, j'allais dire. La malédiction des Swan Sisters. Ça me fait... Ah bah je l'ai déjà en wishlist, j'avais oublié, voilà. On décale des week-ends en général, moi. Voilà, bien sûr, Iron Widow, le prince cruel, le prieuré de l'Oranger. Quel courage, Adelaide. Quel courage. Dickens, oui. Oh oui, Watership Down. Moriarty, tome 11. Ah, Akimé. Akimé dit beaucoup de choses. Akimé est à fond. Oh, Akimé lit mon bouquin. Salut, Choupi Gamer. Autre monde, tome 7. Ah ouais, moi j'en suis au tome 1. Mais je l'ai fini, mais faudrait que je les ai la 2, quoi. Le 2. Les salauds gentilhommes. Ah mais Alice, tu l'as commencé? Attends, Alice. Ôte-moi d'un doute. T'es sur Circe depuis combien de siècles? T'es pas bloqué au salaud gentilhomme depuis 10 ans aussi? Je me méfie, t'sais. Je la connais, ma cocotte. Je crois qu'elle est bloquée. Bah oui, c'est ça. Mais t'as pas repris encore.
T'as passé l'intro chiante, enfin chiante, un peu fastidieuse et t'as pas repris. Très bonne lecture. Très très bonne lecture. Vraiment, waouh. Très très bon roman, si je peux me permettre. Hein. Et ils meurent tous les deux à la fin. Nox, faut que je lise The Sun C4. Oh, l'herbe bleue. Pff, il est dur celui-là. Il est dur, mais très très bien. Là, vous, je te livre. Ah putain, mais Amélie, tu lis 50 trucs en même temps, ça me perturbe. Je sais pas, le prix de le ranger, moi j'ai pas essayé. Ouais, Alice, ouais. Journal d'un vampire, bien sûr. Prince cruel. Oh oui! Oh, Avery, c'est bien ça! La saga des sorcières, très très bien. 20%, tu es au début. Surtout qu'il y a 3 tomes. Et ils meurent tous les deux à la fin. Ce qu'il nous faut retrouver, tout le monde le dit celui-là. Les salauds gentilshommes, bravo Bastet! Putain, en vrai, Scott Lynch, il devrait me verser des actions dans ses droits. Hein. Putain, je l'ai tellement recommandé. L'herbe bleue, c'est l'histoire sur une fille qui se drogue. C'est très très dur à lire. Mais très très bien, mais très très dur. Le sang et la cendre et un palais défini de roses, très bonne référence de bébé. Ah, lui, je l'ai lu grâce à vous. J'avais reçu la trilogie. Dry, très bien. Oh, le grand Mons, putain, belle lecture. C'est un homme. On est sur de la joie, on est sur de la joie à fond. Stephen King, bah tiens, on est sur de la joie, Joyland, la base. Cette nuit-là, ça sent le thriller, ça encore. La cour des ténèbres, Bébou va me le passer. Bébou va me le passer, je vais le lire pour avril, je pense. Je pense pas que je le lirai avant, en fin de mars, par contre. Moriarty, vous êtes tellement lire Moriarty. Déraciné, très bien. Celui-là, je l'ai pas lu. Mais dans ma wishlist, on l'a vu tout à l'heure. Red Queen, faucheuse. Encore le mien! J'espère que t'aimes bien Seed Game, si jamais tu es là. 77%, tu dois approcher de la fin dangereusement quand même. Passe-miroir. Margaret Atwood, Servante écarlate, très bon choix. Lady Hélène, faut que je lise. Je l'ai reçue le mois dernier dans ma cube. Ah, vos fameuses éditions qui font flipper là. Encore mon roman! La Cour des Ténèbres, je vais le lire. Je vais le lire, je vais le lire. Atelier des sorciers, très bien. Les liaisons dangereuses, on l'a vu tout à l'heure. Madame Bovary, très bien. Une chambre à soi, putain! Mais compote, elle a encore pas. Compote, elle n'a pas compris le principe des lectures. Hein. Mais on avait discuté avec Compote la dernière fois. Hein? Je l'avais dit que c'était débile d'avoir des trucs à quasi terminer où il restait 20 pages. Elle m'a pas fait le tri, Compote. Elle n'a pas du tout écouté ce que je lui ai dit la dernière fois, en fait. Étienne, Compote, c'est ton ami, non? Quel est ton degré d'amitié avec Compote? Qui est ami avec Compote ici? Qui se dénonce? Bonne 6 lectures en cours. Ouais, personne n'est mis avec elle. Moi, je sais qu'il y a un décalage de 15 secondes, mais c'est une poteau. Beaucoup d'entre nous. Je me dénonce. Très bien. Alors, Miss Zaza, Étienne, Tammy, vous êtes les trois premiers. Donc, vous êtes les trois qui vous le coltinez. Hein. Votre mission, parce qu'elle est venue, regarde, elle a lu un truc là, hein? Elle a lu des bails là, elle a écrit, voilà, il y a une semaine, machin, machin. Votre mission, c'est de me faire virer ce truc-là, là. Il faut plus qu'elle en ait 26. Démerdez-vous, forcez-la à lire, et forcez-la à terminer ces trucs qu'elle a quasi terminés. Faites quelque chose, c'est votre taf. Faites-vous un groupe, j'en sais rien. Là, non, mais sans déconner, lettre persane, il reste que dalle. Ah bah Alice, écoute plus que t'ouvres ta gueule. Allez, tu vas avec. Allez. Faut qu'on ait des trois. Ah, on va dire. Ouais, trois ou quatre. Mais là, il y en a. Mais au moins, non, mais au moins que ça descende, quoi. Si c'est à zéro, genre ça, c'est à zéro, bah ça vire, ça a rien à foutre là, tu vois. Mais allez. Occupez-vous d'elle. C'est votre mission aux quatre, là. Et Étienne, tu me tiens au courant. Je passe Compote, étant donné qu'elle me prend la moitié de ma page. L'avare de Molière, ça c'est cool. Cupidon dans le genre. Non, ça va, il y en a 4. 4, ça va, tu vois. Oh, Féline, il est sympa. 4, je peux le voir. C'est pas 24, quoi.
Bah Didi, bah oui, du coup on est passé tout à l'heure toute sa page. Très très bonne lecture, Hélène. Très très bonne lecture. La biographie de Marie-Antoinette est vraiment excellente. Faut que je relise plus de Zweig. J'ai pas lu de Stefan Zweig quasiment et il est vraiment bon ce mec. Surtout qu'il a fait quand même beaucoup de biographies. Et je serais vraiment curieuse d'en lire davantage. Ce défi de la lecture, c'est bien. À vous de la motiver, exactement. Oui, il reste que 9 minutes. Sorcière, bravo Eline. Le prieuré de l'Orge, vous êtes plein de lire. Nos âmes tourmentées, je crois que c'est la même que la dernière fois. Attends, mais ça c'est pareil, hein, Eliane, là. T'en as combien en cours, là? Je suis pas fan, là. Hein. 9 en cours. Il y a un peu d'abus, là. Hein. Le rouge et le noir. Ah, elle est là! Ça va, il y en a 3. 3, ça va, tu vois. Merci pour le follow, Asuna. C'est l'effet de la lecture, c'est bien. Oui, non, mais qu'elle lise. C'est très bien, mais qu'elle lise groupe par groupe. Galant, lui, je n'ai pas mal entendu parler. Ils ont fait une grosse com en même temps dessus, les éditions. Hein. C'était Lumen, si je dis pas de conneries. Les Misérables, très bonne lecture. En plus, le tome 3. Ah non, le tome 2. C'est-à-dire que déjà tout le premier est passé. Moi, je trouve que c'est la seconde partie qui est la meilleure. Enfin, seconde et troisième, mais la suite, quoi. Watership Down, c'est pareil, vous êtes 2-3 à le lire là. C'est bien. Le sang et la cendre qui revient beaucoup. Ah, ça c'était la lecture de la dernière fois. La faucheuse, le labyrinthe. Alice, très bonne ref. Oh oui, Anne Wiseny. Truc des vampires, ça vous plaît les vampires quand même. Hein. Ouais, quand même. Hein. Bienvenue à Suna! Le labyrinthe. En vrai, vous pourriez grave vous rendre pote comme ça. Genre, vis-à-vis de vos lectures. Je kifferais faire ça. Faire des espèces de binômes par rapport aux lectures qui sont faites. Il faut vraiment que je fasse un club de lecture en vrai. Et comme ça, je vous ferai des binômes entre vous. Oh, ça serait tellement bien. Ah, je l'ai lu, lui. Lui, il est vraiment beau, hein. Mais je l'ai déjà passé dessus, je crois. On a un Discord. Nous avons un serveur Discord où vous parlez déjà de vos lectures. Les Misérables. Oh, 40%, bien wesh. Seigneur des Anneaux. Oh putain, le courage. Pff. La faucheuse qui revient. Bienvenue Lolotte. Le prince cruel. La passe miroir. Prairie de l'Oranger. Yana, on voit que c'est la mode. Hein. Anne. Enfin, la mode. La mode parmi nous pour certains. D'encre de verre et d'acier. Yeah, je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Je vous en parle demain d'ailleurs en vidéo. Après-demain, pardon. Et là. Le prince cruel, Cyrano de Bergerac. J'aime bien, c'est des petits classiques qui se pop. Alors je pense que les classiques, c'est beaucoup pour les cours. Mais j'ai envie de croire que. Et là, faucheuse. Animal. Ah, lui, je l'aime bien. Tu vois, Victor Dixon, c'est très inégal pour moi. Mais Animal, je l'ai beaucoup aimé. Moi, je l'ai abandonné aussi, Seigneur des Anneaux, il y a longtemps. Et là, Trône de Fer, Drail. Ce monde qui est le mien, il est vraiment cool. Le château de Hurle, il est vraiment cool. Jamila, il y a des trucs sympas, c'est vachement cool, il y a plein de choses qui changent. Grisha, j'en ai entendu parler, pareil, le trône de fer. La faucheuse et le labyrinthe sur la même ligne. C'est au contraire, classique. Ça va et toi, Sardine? Tu te sens bien? Ouais, moi aussi, Alice. Animal, ouais, il date de pas mal longtemps. C'est une duologie en fait, une réécriture, une sorte de réécriture de. Oh, on est lui-même! Une sorte de réécriture de Boucle d'Or et les trois ours, le prince cruel. Et il est vraiment cool. Enfin, moi pour le coup, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la duologie de. Enfin, le premier, c'est une réécriture de Boucle d'Or et les trois ours, le second de La Reine des Neiges. Et je l'ai trouvé très bien écrit avec des persos cool, alors que Phobos, typiquement, j'ai lu les deux premiers, j'ai détesté. Le premier, ça passe, le second, j'ai détesté. Et de ce que me dit Bébou, parce qu'il a lu du coup le truc de vampire là, à Versailles, il pense que je vais adorer l'univers, enfin beaucoup aimer l'univers, mais pas du tout aimer les persos. Et j'ai un, si c'est le cas, ça va être un vrai problème, parce que ça veut dire qu'il y a quand même, j'ai quand même un bug avec ses problèmes, avec ses persos souvent, quoi. Ah oui, Viax, tant mieux. Oui, effectivement, Sardine. Oh, et encore là, ça faisait genre une bonne semaine qu'on n'était pas passé sur Livre Addict, hein.
Il y a trop de trucs. En vrai, on a trop de taf en ce moment, les enfants. Et il faut que je reprenne mes fiches sur les livres et les films. C'est, il faut que je me remotive à ça parce que ça me manque de pas faire de compte rendu immédiat, tu vois, de ressenti à chaud quand j'ai terminé un truc. Orgueil et préjugés, banni les proscrits, j'ai le tome 2 depuis des années. Le sang et la cendre qui revient, Scarlett toujours. Vanessa. Red Queen. Oui, vidéo dans 5 minutes. Je scrolle rapidement, rapidement, rapidement. Celui-là, pareil, pas mal de monde en parle. Lazare d'Écarlate, très bonne lecture. Et vous êtes plein à lire mon bouquin, la vache! Je trouve ça trop cool parce que, en fait, il vit par-delà son temps de sortie. Genre, il est sorti il y a quelques mois maintenant. Très, très bonne lecture, ça. Mais ça me fait grave plaisir de voir qu'il y a encore plein de gens qui le découvrent et qui l'apprécient. Ça me fait grave plaisir de voir qu'il vit, tu vois. Un peu sur le long terme. Enfin, long terme, c'est quelques mois, mais. Je vois placer plein de rêves trop bien là. Hein. Dim, dim. C'est juste que j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est juste que j'aimerais bien scroller tout le monde. Oh oui, que Shell! Oh oui, tome 2 en plus. Ah, ça c'est que le tome 1 était bouffé, ça me fait plaisir. Et là, Marie-Antoinette. Et là, sorcière. Je suis au bout, je suis au bout! Oui! Youpi! Du coup, mes poulets. C'est quoi déjà le Héros Festival à Grenoble, Maloxnia? Maloxnia? J'adore voir où vous en êtes dans vos lectures. En vrai, ça me plaît de ouf. Je remonte tout. J'ai commencé à relire ton livre, j'ai bientôt en voyage et je pense que je vais le lire dans le bus. Yeah! Du coup, je vous laisse là. On se retrouve dans 3 minutes sur YouTube. Donc vraiment, genre là, on se quitte et on se retrouve instant. Et on se retrouvera sinon demain en stream. À 16h30, je pense. Je vous fais plein de poutous. Passez une très très belle soirée. Mangez bien, dormez, c'est important de dormir. Et je vous aime très très fort. Bisous! Exactement, Titi. En plus, la vidéo de tout à l'heure, je tourne en extérieur. Donc vous allez me voir en intro avec les cheveux dans le vent. Les cheveux sont plus longs parce que c'était en septembre-octobre. À tout de suite! On se quitte pas pour longtemps du coup, hein. Ah, où est mon outro? Mon outro a disparu! C'est bon! Je disparais!